Avec un indice de jeunesse bien supérieur à celui des Yvelines et même de l'Île-de-France, 50 ans en Yvelines offre 18-25 ans un cadre de vie à leur mesure, emploi, culture, solidarité, vie associative. Ils trouvent ici ce dont ils ont besoin, ce qui leur permet de participer à la vie de la collectivité et à son développement. Petit tour d'horizon avec quelques-uns d'entre eux. Accompagner les jeunes dans les différentes étapes de leur vie, c'est leur permettre de s'inscrire pleinement dans la collectivité. Avec 25 instituts de formation et établissements d'enseignement supérieur répartis sur le territoire, le taux de scolarité des 15-24 ans atteint 70% à Saint-Quentin en Yvelines. Université, lycée hôtelier, 3IS ou encore école de la deuxième chance, il y en a pour tous les besoins. Et si l'on se penche sur l'emploi, les différents dispositifs et structures créés ou financés par la CASCI, de la mission locale à la cité des métiers, en passant par la maison de l'entreprise permettent d'accompagner scolaires, étudiants et jeunes actifs dans leurs projets professionnels. Romain, par exemple, est un jeune chef d'entreprise élan courtois de 27 ans qui est passé par la maison de l'entreprise et qui est installé à Promopol. Là, on est trois fondateurs dans la société. À la base, c'est beaucoup de projets étudiants. Quand on a une association et avoir des clients, commencer à, à intégrer le milieu de l'entreprise avant même d'avoir fini ses études. Et tout ça, ça fait pétiller l'esprit et ça donne le goût de l'entrepreneuriat. J'ai travaillé à Cassidian à Elancourt, donc gros acteur industriel de la région, donc ce qui m'a amené à m'installer après mes études sur 50 ans en Yvelines. La maison de l'entreprise nous a permis d'intégrer Promopol. Donc ça a été le premier grand pas, puisque au final, quand on crée l'entreprise, il faut avoir un siège social. Et donc il nous fallait une adresse et au final, on a pris des locaux à ce moment-là. Donc ça a permis de structurer l'entreprise. On a travaillé pendant un an et demi chez nous à préparer le projet donc à temps partiel entre nos travails respectifs et monter l'entreprise. Et donc le fait d'avoir des locaux nous a permis de basculer donc à temps plein et de s'investir pleinement dans le projet. Ecos Technologies, donc c'est le nom de la société, et nous sommes actuellement en train d'éditer notre premier produit donc informatique qui s'appelle donc Ecos Alert. Vérifier que les systèmes informatiques des entreprises fonctionnent bien. C'est un milieu qui est très technique et où il y a une barrière d'experts très forte. L'idée était de venir briser cette barrière et de dire il y a une possibilité d'alerter des gens qui ne sont pas techniques, alors qu'aujourd'hui on ne fait qu'alerter les techniciens qui derrière vont mettre en place les moyens pour réparer, mais sans pour autant alerter les gens qui utilisent réellement l'outil. L'idée va être d'alerter différemment un technicien, d'un commercial, d'un financier, d'un dirigeant. Chacun doit être alerté dans son langage, dans le langage de son métier. Et donc c'est là où on vient se différencier de la concurrence. Et après l'effort, base de loisirs, cinéma, salle de spectacle, musée, médiathèque, en matière de culture et de loisirs, l'agglomération offre un vaste choix de lieux et d'activités à destination notamment des jeunes, dont de nombreux stades et équipements sportifs. Un cadre dont a su profiter le Guyan courtois Samy Benferlou, qui à 23 ans est l'un des meilleurs champions français de Kung-Fu Wushu. J'habite à Guyancourt depuis maintenant une dizaine d'années. Les équipements sportifs donc où je m'entraîne le plus souvent, donc c'est le stade Maurice Baquet. On a fait quelques sessions d'entraînement aussi à l'aviation et aux droits de l'homme. J'ai découvert le Kung Fu à l'âge de 7 ans. C'était à la fête des associations, donc je cherchais un art martial à pratiquer en fait, parce que déjà depuis très jeune j'étais un peu suractif et j'aimais beaucoup les films d'arts martiaux, Jackie Chan, Bruce Lee, tout ça. Le premier titre que j'ai obtenu, donc, ça a été champion de France. Il me semble que c'était soit ma première, soit ma deuxième compétition. Et du coup, c'est 8 ou 9 ans à peu près. Donc je suis en équipe de France depuis 2009, où j'avais participé à mes premiers championnats du monde à Toronto. La dernière compétition internationale, donc, ça a été les championnats d'Europe à Tallinn. C'était au mois d'avril dernier, il me semble, où on avait fait 8 champions d'Europe. Ensuite, il y a eu les championnats de France qui se sont disputés il y a à peu près 2 mois. Donc j'ai fait double vice-champion de France. Et donc là, on prépare les Jeux méditerranéens au Liban et les championnats du monde à Kuala Lumpur pour octobre 2013. Voilà, on va faire à peu près 2 heures d'entraînement par jour. Donc à savoir que là, il y a bientôt les vacances, donc ça va être au quotidien avec mon professeur qui va me coacher pendant, enfin tous les jours à peu près 2 heures.
Et si le sport et les loisirs sont aussi importants à 50 ans en Yvelines aujourd'hui, c'est aussi parce que la vie associative est particulièrement développée sur le territoire, notamment grâce à des aides de la CASQUI, des associations qui œuvrent dans tous les domaines et qui permettent à chacun de s'exprimer, à l'image de Chuanmin Pujot, 24 ans, passionné de musique et désireux d'animer la vie culturelle du territoire. Je suis administrateur donc de l'association Métasos, association pour le développement de la musique actuelle sur le bassin Saint-Quentinois. On est vraiment dans le développement de la culture et l'accès à la culture musicale, la musique actuelle pour tous. On essaie de sortir aussi de tout ce qu'on peut nous diffuser, on va dire, sur les grosses antennes de diffusion. C'est un accès à la culture facilité en termes de prix. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert aussi les gens qui travaillent dans cette association. Et puis, en discutant, il y a des concerts qui s'organisent. Viens filer un coup de main, ça peut être sympa. Et puis je suis venu une fois et puis ça m'a plu. J'ai voulu continuer à faire ça, donc c'est comme ça que je suis devenu bénévole. Donc après c'était filer des coups de main sur des concerts, que ce soit l'accueil en billetterie, que ce soit faire du bar, de la logistique. Et c'est comme ça qu'après je suis passé aussi en tant que ce qu'on appelle membre actif et depuis aussi je me suis intégré au conseil d'administration. L'association aujourd'hui c'est quand même 5 salariés. Et si les jeunes ont envie de découvrir le lieu, de s'inscrire en tant que bénévole, l'adhésion en tant que membre sympathisant, être simplement bénévole, on demande seulement 1 euro. Et tous les gens sont vraiment les bienvenus à venir découvrir ce que c'est l'association. Et la grosse actu de l'asso, c'est bien sûr Metalsphere. Le Metalsphere, qui est un concept à la base, une soirée entièrement basée sur le thème du métal alternatif. Et on a décidé de franchir le pas cette année et d'organiser un festival, un plein air sur une journée, donc avec 11 groupes qui viennent en majorité d'un peu partout en France. Vecteur d'animation indispensable, la vie associative est également une véritable école de la citoyenneté pour certains jeunes qui souhaitent parfois aller encore plus loin pour s'investir dans la vie locale. C'est le cas de la trappiste Sabrina Henny, 20 ans, qui a trouvé le vecteur d'expression qui lui convenait en rejoignant le conseil de développement de 50 ans en Yvelines, le CODESKI. Avant, je faisais partie du conseil des jeunes de Trappe, de ma ville donc. Et ensuite, le maire de Trappe m'a proposé justement de représenter ma ville en m'intégrant au CODESKI et j'ai accepté sans hésiter. Ma maman, par exemple, elle fait partie d'une amicale de notre quartier, elle s'est engagée dans plein d'endroits, donc pour moi, c'est une affaire de famille. Ce qui m'intéresse dans la ville, c'est l'environnement, la santé et aussi l'organisation d'événements. Les jeunes qui ont l'opportunité justement de faire partie de ce genre d'organisation ou de s'engager, de vraiment le faire parce que c'est vraiment une expérience formidable et ça pourra leur permettre dans l'avenir justement d'avancer. Il est vrai que je suis la plus jeune au CODESKI, mais je pense que justement j'ai beaucoup à apprendre des personnes qui s'y trouvent. Et que j'ai beaucoup d'expérience à acquérir. Et aussi, je pense pouvoir aussi leur apporter une touche de jeunesse. Et après une jeunesse qui bouge, voici des actus qui bougent. Et toi, tu bouges pas. Plastique, plastoc, quand plastique et design font bon ménage. C'est le thème de la nouvelle exposition du musée de la ville de 50 ans en Yvelines qui a ouvert ses portes tout récemment et qui vous propose de découvrir de façon ludique les liens qui unissent plastique et design, à voir jusqu'au 23 décembre. Et à l'occasion de la nuit des musées, le 18 mai, vous pourrez également participer à un atelier avec le designer Régis R. Pour voir dès maintenant à quoi ressemblera le pôle gare actuellement en travaux, la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines a créé l'application SkiPôle Gare. Téléchargeable gratuitement sur smartphone ou tablette, elle vous permettra de faire apparaître un plan d'ensemble animé et en 3D pour vous immerger dans le site grâce à la réalité augmentée. Et on termine ces actus avec une date à retenir. Le 4e forum de la création d'entreprise se tiendra au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines le 28 mai prochain. Structure d'accompagnement, organisme de financement, experts comptables, avocats, réseaux d'entreprises, ils seront tous là pour vous informer et répondre à vos questions. Un dossier que vous pouvez retrouver ainsi qu'un article sur Yvan Dautin et sur la prochaine édition du Défi Nature dans le Petit Quentin du mois de mai. Alors à bientôt. À bientôt, hein.